Hi, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver sur une vidéo unboxing. Donc j'ai reçu aujourd'hui deux gros colis. Je suis très très contente d'avoir enfin décidé de commander. Alors aujourd'hui on va parler un peu de matériel nécessaire pour filmer des vidéos sur YouTube, en tout cas ceux que j'utilise. C'est la dernière fois que je vais filmer avec mon trépied rafistolé parce qu'en fait il était cassé. Et du coup je vais vous montrer en fait tout ce que j'ai commandé. Donc c'est que du matériel pour mes vidéos et je suis très contente parce que je vais enfin pouvoir filmer comme je le veux. Même si voilà, en ce moment j'essayais de m'adapter etc, mais là je vais avoir mon vrai matos, mon bon matos. J'avais des éclairages mais en fait ils sont pas vraiment bien aussi. Donc voilà, je suis très contente, on va ouvrir ça ensemble et c'est parti. Alors on va commencer par celui-là parce que je sais que c'est mon trépied, je suis trop contente. Ça va être la première fois que j'ai un trépied aussi grand. Et ça va me changer la vie. La seule chose en fait que j'ai commandé au Black Friday, c'est vraiment le seul truc qui m'était nécessaire. Il est assez lourd hein, quand même. Donc voilà, un trépied, il va être hyper costaud. Je suis sûre que ça va être un trépied de compète. Ouh, beaucoup plus lourd que mon trépied un peu plastique, très très léger. Donc une belle pochette, ça c'est hyper pratique. Alors là, je risque pas de le casser. En fait, les pieds sont hyper gros, hyper robustes. Je suis si heureuse, là j'ouvre mes cadeaux de Noël. Fait de moi à moi. D'après ce que j'ai pu voir, vous pouvez même décrocher en fait ce pied là pour le garder tout seul. Regardez, ça fait un crochet et juste si vous voulez vous travailler avec une perche et votre appareil photo collé dessus. Mais là, oh, je suis très très contente parce qu'en fait il était en promo en plus. Et là regardez comme le socle est hyper robuste. Et pour sa taille, il fait normalement jusqu'à 1m77 il me semble. Ce qui veut dire qu'il est plus grand que moi. Ça va être la première fois que... Déjà là, il fait ma taille. Ok, donc en fait, il peut faire cette taille avec les pieds. Et ensuite, normalement, si c'est comme les autres trépieds, il y a ça aussi. Et vous pouvez retirer ça. Je suis très très contente de mon achat. Je voulais mettre plus cher, donc il me semble que j'ai mis 39 et je l'ai payé pour le Black Friday, 35 €. Donc pour une fois que je mets le prix dans un trépied, je sais qu'il va me durer, donc je suis trop contente. Donc les prochaines vidéos, vous les verrez filmer avec mon nouveau trépied et j'ai trop hâte. Ok, let's go, ah ouais là il est. Punaise, ce trépied ne tient plus du tout, donc ok, je pense que là on est bon. J'ai hâte d'avoir mon nouveau trépied. Et ensuite on a le deuxième colis, j'ai pris des éclairages. Alors j'ai des éclairages en forme de parapluie, enfin sous forme de parapluie en fait. Sauf que l'ampoule est jaune et en fait ça crée vraiment une lumière pas belle du tout. Et moi je voulais vraiment quelque chose de lumineux. Et donc j'ai pris les anneaux d'éclairage. Ça normalement vous avez dû en voir plein de fois. Oula. Mais je pense que ça fait vraiment comme des lumières du jour. Et c'est vraiment ce que je veux parce qu'en ce moment vous savez que l'hiver, travailler à la lumière du jour c'est très compliqué. La lumière change, la lumière est pas très lumineuse pour le coup. Voilà, mes vidéos quand elles sont pas lumineuses et que je suis obligée de mettre ma lampe, c'est horrible. Là je vais pouvoir me mettre où je veux. J'ai juste à installer mes petits éclairages. Donc on va voir ça tout de suite. Ça se présente comme ceci. Faut pas que je fasse tomber parce que je ne suis pas sur une table. Donc l'anneau est comme ça. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne parce qu'en fait j'ai vu que ça fonctionnait avec un câble USB. Ça je crois c'est un support pour le téléphone parce qu'en fait vous avez un trépied pour tenir l'anneau et également un truc pour tenir le téléphone, pour mettre directement le téléphone dans l'anneau. Comme fou les TikTokers les gars. Après ça peut être très très pratique parce que pour le coup j'ai un trépied donc ça c'est bien. Et si j'ai juste besoin de poser sur une table, ben j'ai ce petit tripod. En fait c'est l'anneau qui va sur le petit trépied. Ça fonctionne avec USB. Donc je pense qu'on peut le brancher, vous savez, avec... Alors, vous savez ce genre d'adaptateur là où vous avez un peu le port USB. Je peux le bouger dans tous les sens. Je peux l'allumer là. Ça va coûter énormément cher hein. Voilà, vous pourrez le voir que ça vaut pas un truc, un éclairage de ouf. À voir si ça vaut le coup. Alors pour filmer avec son téléphone, je pense que ça vaut le coup. Oui, on a plusieurs modes en fait, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Une lumière un peu plus chaude et vraiment lumière froide quoi. Parce que ça change. Modo. Et sans rien. Bon là je suis en face de la fenêtre donc forcément que ça va me donner quelque chose de bien. Peut-être à voir si l'éclairage tout seul suffit ou s'il faut vraiment une lumière du jour à proximité. Concernant mon appareil photo, c'est un appareil photo Olympus.
Par-dessus, on a fixé un micro. Donc à chaque fois, je l'enlève et je le remets. C'est un micro comme ceci en fait. Je trouve que le son est très très bon dans mes vidéos quand je mets ça. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère très sincèrement que le contenu vous aura plu. Et puis j'espère que ça vous aura quand même donné des petites idées si vous aussi vous cherchez du matériel. Ou si vous êtes tout simplement curieux à savoir quel matériel on peut utiliser derrière les vidéos. Parce que voilà, il y a pas mal de choses à avoir. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo filmée avec ce nouveau matériel. Bye.